l'adaptation. C'est très important dans l'histoire des Frères Lumière, c'est la possibilité d'incendie. Voilà. Alors là, le public fait « Ah, parce que la séance va commencer. » Donc, ah. Ah. Vous êtes excellent. Ah. Ah, vous avez écrit un peu. Ok, on rallume. On va y passer un temps. Vous êtes... Mister Thor, évidemment, Jacques Thor. Alors ça s'appelle une main vielle à roue, puisque c'est pas exactement une vielle, c'est une main vielle à roue avec trois cordes ici. Voilà la manivelle, c'est important, la manivelle. Alors là, la manivelle, alors là, vous voyez. Attention, surtout la manivelle, attention au retour. Il y a une énigme. Ah, il y a une énigme. On se dit, ah, il y a un absent. Il y a un absent. Ah, je peux vous dire, je peux vous mettre sur la piste. Ça ne m'invielle que si Chapouli. Non mais, ce que je voulais quand même te préciser André, c'est que ça, si c'est une invention actuelle en 2015 de ce que les Lumières avaient appelé le cinématographe, parce que le cinématographe, c'est le nom de leur invention, elle est assez simple, hein, parce qu'en 1895, en fait, il n'y a pas grand-chose, il y a un peu de vapeur, on sait maîtriser ça, il y a l'électricité, mais à l'époque, on croit que l'électricité, on peut surfer dessus. Il y avait même des gens qui pensaient qu'on pourrait faire comme les surfeurs sur les vagues, l'électricité serait là et on pourrait surfer dessus. Donc leur invention, les Lumières, en fait, c'est très simple, hein. Ils maîtrisent un peu le bois, donc ils font une boîte carrée avec une manivelle. Et de cette boîte carrée, alors là, ça nous ramène encore aujourd'hui, parce que cette boîte, elle permet d'être caméra, donc de filmer les gens, là, comme si je pouvais vous filmer. Elle permet aussi de développer les films dedans et être projecteur. En fait, c'est un peu votre téléphone portable, ou, enfin voilà. Là, on est face à un opérateur qui est mon préféré, qui s'appelle Gabriel Vert. Voilà. Les autres, ils sont devenus anonymes, malheureusement. Et cet opérateur, lui, il a trouvé une chanson, un thème, c'est un thème militaire, pour pouvoir tourner la manivelle à la vitesse de la marche de l'homme. Et bien sûr, cette musique, c'est une marche. C'est une marche qui donne cette mesure de la marche. Et cette marche militaire qui s'appelle Sambre-et-Meuse donne à peu près ça. Moi, je vais essayer de tourner la manivelle à la vitesse des voitures. Moi, j'imagine qu'aujourd'hui, les voitures elles vont à 50, 60 km/h, mais là, je sais pas, peut-être à 10, 20, j'essaye de tourner la manivelle, peut-être au rythme des voitures. Et ça. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est pas une image. Hein, qu'est-ce que c'est que le visible ? Ben le visible, c'est pas une image. Hein ? Ça fonctionne pas comme une image, hein, le visible. Le visible, c'est pas ce qu'il y a devant nous, mais c'est ce qui nous entoure, hein, ce qui nous précède et nous suit. Alors, ces rythmes du temps, bah, ils forment, ils tissent la trame de l'apparence. Voilà, c'est ça. Le visible, hein, c'est l'ensemble des récitatifs qui fabriquent l'apparence. Fusis, crupstestai, filei. Chaque animal habite le réseau des apparences à sa façon, c'est-à-dire qu'il s'y cache. Hein, nature aime à se cacher, fusis, crupsestai, filei. Alors là, hein, n'est-ce pas, le fragment d'Héraclite l'obscur devient la clarté même. Je voyageais. Le paysage au milieu duquel j'étais placé était d'une grandeur et d'une noblesse irrésistibles. Il en passa sans doute en ce moment quelque chose dans mon âme. Mais compris.